So, why are we supposed to do that? Like, she's going to continue? Continue on the, second aspect. Okay, so what I was mainly going to talk about in the second part was about our role within the student movement. Donc, dans la deuxième partie, ce que je voulais parler, c'est de notre rôle au sein du mouvement étudiant du village. And I started to touch on some of those points because of the last question that came up. Donc, à cause de la dernière question, évidemment, j'ai commencé à toucher à cette problématique-là, cette question-là. Je vais continuer dans cette partie-ci à développer là-dessus. And in Britain, we're currently facing a whole swathe of attacks on universities, but also on schools and colleges, where socialist students also seek to organise. Donc, partout, sur plein de campus, on mène des luttes, et c'est difficile d'organiser les étudiants socialistes et d'autres organisations. On fait face à des problèmes, des conflits, etc. We have a right-wing coalition government who's embarking on one of the worst austerity programs in the history of the country. Donc on a un parti de droite et qui donc de coalition avec d'autres partis qui sont en train de mener une campagne d'austérité nationale qu'on n'a jamais vue, en tout cas on n'a pas vu depuis des années et des années. So we're aiming to help build campaigns, like I said earlier. But also to raise demands which chime with ordinary students and which can help put pressure on the tops of the official student movement to act, to use their resources and so on in order to help build a fight against austerity. Donc, en même temps qu'on mène nos propres campagnes, nos propres initiatives, on essaie aussi de rejoindre le mouvement étudiant plus large et de lancer des campagnes qui sont... qui touchent et qui font vouloir agir la masse des étudiants. Donc, de cette façon-là, on espère pouvoir infléchir les politiques, infléchir l'union étudiante qui existe déjà pour qu'elle soit plus combative. Et de notre côté, on mène nos propres actions, mais on essaie que, conjointement, ça peut avoir un effet pour changer la tendance. And we've had a campaign at the moment for a national demonstration to be called by the National Union of Students. But we don't hold our breath for such an action to come from the top. Donc, on organise à la base une campagne pour mener une campagne justement nationale, une grande manifestation, un grand événement commun. Et on met de la pression sur l'Union nationale. Le syndicat étudiant national, mais on n'espère pas grand-chose. On n'a pas l'impression qu'ils vont embarquer ou qu'ils sont, ils ont changé leur point de vue. Ils restent campés sur leur position. So we're seeking to put together a coalition of the willing, people who are in student unions locally, other left groups, people who want to organize whether or not the National Union of Students is willing to give it their official blessing. Donc, on veut faire une campagne de solidarité et de coalition de ceux qui veulent cette grande campagne nationale, en dépit des résistances du syndicat national. On essaie tous les groupes, syndicats, étudiants, associations, etc., qui veulent participer à cette mouvance nationale-là. On veut organiser ça ensemble et faire ça que le syndicat national le veuille ou non, on va pousser de l'avant. And we hope through that we'll be able to organise a national demonstration in the autumn, which can act as a spark for the beginning of a new movement against the attacks on education. Donc, on espère que d'ici l'automne, par l'organisation, par la communication entre ces différents groupes-là, on va pouvoir organiser quelque chose cet automne. Et donc, cet grand événement national-là sur différents campus et à l'échelle nationale pourrait être l'étincelle qui pourrait allumer un nouveau mouvement de contestation à l'automne. Oups, c'est moi. Sorry. And we're also clear that the fight against tuition fees, the fight against cuts, is not just about raising economic demands, it's a political fight as well. Les luttes contre les coupures, les luttes contre l'austérité, les luttes contre l'augmentation des frais, on essaie de promouvoir l'idée que ce n'est pas simplement
une sorte de lutte corporative étudiante, mais que c'est une lutte politique générale qui est liée à d'autres enjeux sociaux. And so we hope to generalize from the student struggle and from the fights against specific attacks out to wider society, so to generalize the struggle, if you like. Donc, on espère évidemment que nos activités, nos actions et la campagne qu'on va mener aura l'effet boule de neige sur d'autres luttes plus générales au sein de la société, donc qu'on va bâtir des coalitions et peut-être même un mouvement social plus large contre les politiques actuelles. And to help raise the general idea of an alternative to austerity and to capitalism. Donc, justement, dans l'objectif ultime de présenter une alternative à l'austérité, au néolibéralisme et d'avoir un projet de société socialiste commun pour l'avenir. And we would argue that one of the biggest weapons which the ruling class and the government have in their armory is the idea that there's no alternative. Donc, une des armes les plus fortes qu'utilise le gouvernement et les gouvernements récemment, en général, une des armes les plus puissantes, c'est de présenter au public et de convaincre par les médias, etc., par leur parti, qu'il n'y a pas d'alternative. S'ils sont capables de maintenir cette idée-là, c'est leur arme la plus forte pour empêcher un genre de mouvement de contestation. Nous, on veut briser ça. And so some of the slogans we've used have aimed to help combat that idea. And we've done things like taking some of the slogans used by the Occupy movement, like we are the 99%, and expanding that, so adding take the wealth off the 1%, to give an idea of how that slogan can relate to the idea of an alternative. Donc, on se base même sur ce qu'on voit ailleurs. On réinvente pas la roue. On regarde ce qui s'est fait avec le mouvement Occupy, par exemple. On reprend certains de leurs slogans. On les modifie, on dit enlevons la richesse, le surplus de richesse du 1%, etc. On essaie de populariser l'idée qu'une alternative aux politiques actuelles et à la situation économique actuelle en Europe et en Angleterre plus spécifiquement est vraiment possible, mais il s'agit justement, on est dans la phase de populariser cette notion-là. And we've raised that slogan on big demonstrations and as part of the student contingents on workers' demos as well. Donc, on a soulevé ces genres de slogans-là dans les mouvements étudiants, mais aussi dans les organisations plus larges, justement, dans nos activités en coalition avec les syndicats, avec la société civile en général. On présente ces slogans-là, on présente ces idées-là, on les explique, etc., etc. Donc, on a une sorte de campagne de contre-hégémonique, si on veut. And we've raised that idea within some of the official structures of the movement as well. So within the NUS, we've raised the idea of a political campaign to debunk some of the myths that the capitalist media are putting forward about how society is run and why there's no alternative to neoliberalism. Donc on a même présenté au syndicat national une sorte de documentation, de preuves, etc., d'argumentaires, si on veut, pour démontrer les faussetés de l'idéologie qu'il n'y a pas d'alternative, etc., etc. Puis on veut promouvoir, c'est présenter, démystifier les mensonges, en quelque sorte, des classes dominantes, de la média qui sont contrôlées par ces classes-là, donc et de les présenter empiriquement avec des preuves que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative. But we're not in favor of abstract propaganda campaigns. Donc, on n'est pas, mais on se limite pas à ça, on se limite pas justement à des campagnes purement déposées, des doléances ou des explications pour discréditer ceux au pouvoir en ce moment. Demands like that and slogans like that only make sense as part of a movement and a struggle to have them achieved. Donc, ces slogans-là, ces idées-là, ces recherches-là qu'on fait, ces documents qu'on présente n'ont de sens que dans l'action politique. Si on reste, on peut le prouver mille fois sur papier, il faut agir et organiser, etc., pour que ces idées-là se concrétisent. And so we're also trying to help, we think that student-worker solidarity has to go two ways, because we don't think it's enough just to ask workers to come along to student actions.
Donc, on croit vraiment à l'idée que c'est un vase communicant dans les deux sens entre les mouvements étudiants et les mouvements socialistes et les mouvements des syndicaux en Angleterre. C'est pas assez de dire aux travailleurs, venez de notre côté, on a des bonnes idées, regardez-nous, mais vice-versa, il faut aller vers eux, soutenir leur campagne, soutenir leur lutte. Donc, c'est dans les deux sens. And so we have groups which are actively involved in community campaigns as well as the work they do on their own campuses. And we ask our members to attend picket lines and so on to give some concrete support to workers who are taking action. Donc on a des gens au sein de notre organisation qui sont eux-mêmes souvent des fois peut-être des travailleurs ou qui ont des liens directs avec des organisations de syndicats, etc. Et donc, on encourage, et on, pas juste on encourage, mais littéralement, on y va, on va dans les lignes de piquetage, etc. On se présente, on soutient les luttes des travailleurs dans les différents combats qu'ils mènent pour montrer que c'est pas juste nous qui demandons du soutien de leur part, mais que nous-mêmes, on se mobilise en soutien de leur lutte. And this is also important for us because Socialist Students argues that the working class is central to changing society. Donc les étudiants socialistes ont fait ça entre autres. Une des raisons principales pourquoi on fait ça, c'est que dans notre argumentaire, l'idée que la classe ouvrière, les travailleurs et travailleuses sont un élément central pour le changement social. Donc on ne peut pas changer la société si on ne travaille pas conjointement, si on reste juste dans le mouvement étudiant, on ne pourra pas ultimement changer la société. And that student struggle can be a powerful force, but that it's limited in what it's able to achieve. Donc, le mouvement étudiant peut être une force puissante qui peut vraiment apporter du changement, mais vient un point où il y a quand même objectivement des limites à ce qu'un mouvement étudiant peut faire pour changer l'ensemble de l'orientation de la société. Et donc, on croit qu'il faut trouver des façons de lier la puissance du mouvement étudiant à d'autres forces sociales. And we argue that the working class, because of their economic power, the fact that they're the ones who run society, who work to turn the natural resources of the world into things people can use, and who run all the services which keep society running, that they have a central role because of that economic power which they have in their hands. Donc, de par leur position dans l'économie de la société générale, c'est-à-dire que c'est eux qui produisent, c'est eux qui distribuent, c'est eux qui conduisent les camions, c'est eux qui produisent tous les biens et services dont se servent la population, ils ont un immense pouvoir social qu'ils sont plus ou moins conscients de posséder et donc de conscientiser et de travailler dans leur lutte à se rendre compte de leur puissance sociale qu'ils ont pour changer les politiques, pour changer la société. On croit vraiment fort qu'il faut travailler là-dessus parce que c'est là la clé, en quelque sorte, de bâtir une coalition vraiment capable de changer les choses. So if students fail to look outwards in what they organize, then that will severely limit the lifespan of movements and what they're able to achieve. Donc, si nous, en tant qu'étudiants et étudiants socialistes plus spécifiquement, on ignore ce fait-là, que la puissance de changer les choses se situe aussi en dehors du milieu étudiant, on risque d'avoir simplement des campagnes qui ont un certain effet, mais un effet qui ne pourra pas à long terme changer radicalement les choses. Donc, on doit avoir nos yeux tournés vers l'extérieur, tendus vers l'extérieur. And we would argue in the current situation with capitalism in this deep crisis that it's necessary for working class people and young people as well to have a program with which we can change society. Donc, on argumente que justement dans cette vague de capitalisme un peu de plus en plus sauvage, les reculs dans la société par rapport aux abus du capitalisme, c'est plus important que jamais de...